particulièrement émue. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors de la visite de l'abbatiale de Conques en Avey. Donc c'était une abbatiale où les vitraux ont été entièrement faits par Soulages. Et donc quand on rentre dans cette abbatiale, on se trouve dans une atmosphère presque mystique, on va dire, car ce sont des vitraux travaillés avec des mélanges de noir, de gris. Et pratiquement à cette abbatiale, une sorte de grandeur, on se retrouve qu'elle est un petit peu dans une sorte d'au-delà. C'est très émouvant parce que c'est vraiment quelque chose de... une atmosphère très, très mystique en fait. Quelque chose qu'on n'a pas forcément avec des vitraux colorés. Et puis je l'ai redécouvert ensuite lors de pérégrinations diverses dans des musées. Je me suis retrouvée face à des grands tableaux noirs de Soulages, de monochrome noir, sur lesquels le peintre a tracé dans la partie fraîche des traits de maçon plus ou moins épais. Et je me suis retrouvée donc devant ces tableaux, mais totalement désemparée parce que il y a une sorte de grandeur, de force qui émane de ces tableaux qui m'a particulièrement bouleversée. Ses premières œuvres sont un travail de la couleur particulièrement, donc ce sont juste des tableaux abstraits, sur un fond noir avec des taches de couleur dans les tons ocre, où le peintre travaille la couleur et au fur et à mesure de son travail, le peintre va travailler la matière en plus de la couleur jusqu'à se détacher progressivement de la couleur et pour s'adonner entièrement à la matière elle-même. La lumière qui vient se refléter sur la toile, dans les creux et dans les bosses de la peinture, forme des nuances d'acier, de bleu, de gris. Et c'est une peinture très fugitive justement, qui travaille avec la lumière et donc avec l'instantané. Lorsqu'on est éloigné du tableau, on ne voit qu'un monochrome noir. Et quand on se rapproche et au fur et à mesure qu'on suit ces traits de pinceau, on se retrouve dans des vagues de nuances, comme ça, de reflets totalement presque mystiques, on va dire. Et du coup, je me suis totalement désemparée devant ce tableau et un petit peu comme nue devant moi-même en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Alors, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Soulages, pour me donner envie d'aller découvrir, je lui dirais qu'à travers les œuvres de Soulages, je détache une sorte de transcendance, une sorte de mysticité en fait. Les œuvres de Soulages permettent un accès à un au-delà, un absolu.